Devant l'avalanche de réponses aux petits défis que j'ai proposés dans le précédent épisode, je me suis senti obligé de vous faire un petit retour. Je vous avais demandé de critiquer ma comparaison entre les 12 travaux d'Astérix et les travaux d'Héraclès et Brian. En tout premier lieu, rappelons que dans le dessin animé, Jules César indique aux Gaulois qu'il leur propose d'effectuer 12 travaux à la manière d'Hercule, mais pas les mêmes car ils sont un peu démodés. L'emprunt réel est donc avéré et la comparaison n'a tout simplement pas lieu d'être. Mais bon, admettons, pour l'exercice, on va quand même continuer. Le rapprochement entre la course d'Astérix contre Mérinos et la course d'Héraclès après la biche au pied d'Airain est valide. Rappelons que lorsque le lien est génétique, la forme importe peu, et ici, le fond, c'est que le héros est rapide. Ensuite, Obélix lance le javelot plus loin que Kermès le Perse. J'ai rapproché cet épisode de Brian prenant la lance de Pisser, le roi des Perses. Cette fois, c'est le contraire. Ma comparaison est entièrement basée sur la forme, une lance et un Perse. Si la lance peut éventuellement être un attribut que conserve un dieu ou un guerrier au fil du temps, la référence à la Perse est purement conjoncturelle. La Perse n'existait pas du temps des proto-indo-européens. Par ailleurs, si des concepts tels que « à l'est » ou « à l'ouest » peuvent se transmettre génétiquement, le nom d'un pays ou d'un peuple survit bien plus difficilement. Je rapproche ensuite le combat d'Astérix contre un adversaire de petite taille de Cucnos, un jeune guerrier. Confondre jeunesse et petite taille est grossier. La similitude entre les prêtresses de l'île du plaisir et les femmes de l'île de Fianrer à l'apparence trompeusement inoffensive est très superficielle. Certes, un groupe de femmes isolées sur une île semble être un point commun significatif, mais dans Astérix, elles font usage de leur charme pour séduire les héros et les retenir sur leur île, ce qui relève de la troisième fonction, alors que les femmes de l'île de Fianrer sont des guerrières, donc de seconde fonction. Ma comparaison du mage égyptien avec l'épiphanie en chameau de Vuretrajna sous prétexte qu'il y a des dromadaires en Égypte est une farce ridicule. Le repas du cuisinier des titans peut en effet être rapproché du troupeau de bœufs de Gérion et des sept porcs d'Assal puisque ces derniers représentent l'abondance de nourriture. Je rapproche l'antre de la bête de Cerbère pour l'aspect tonien, pourquoi pas, mais c'est un peu faible pour en tirer une conclusion convaincante. À nouveau, je commets un gag pitoyable en comparant la maison qui rend fou au cri de Brian sur la colline de Tartampion. La comparaison entre le ravin au crocodile qu'Astérix et Obélix doivent franchir sur un fil invisible et le plongeon de Brian dans la mer est complètement capillotracté et ridicule. Le lien entre le Vénérable du Sommet et Héraclès supportant le monde à la place d'Atlas est encore un horrible amalgame. La hauteur du sommet n'est pas une raison suffisante pour comparer son escalade à soutenir le monde. Astérix et Obélix dormant dans une plaine hantée n'a bien entendu pas grand chose à voir avec la pomme du jardin des Hespérides. Il n'est fait mention d'aucune pomme, du nombre 3 ou d'immortalité. Après tout, un fantôme, c'est mort. La comparaison entre les jeux du cirque et le lion de Némée est bien entendu totalement superficielle, le cirque ne se résumant pas au lion, et sa symbolique tourne autour de l'idée de punition et d'exécution, alors que l'exploit d'Héraclès est une prouesse de force. Pour toutes ces raisons, la comparaison entre les 12 travaux d'Astérix et les travaux d'Héraclès et Brian est caduque. Pour illustrer la façon de travailler des comparatistes, je propose de suivre un court raisonnement de Dumézil. Dans ce passage de mythe et épopée, il est question de Bhishma, un personnage du Mahabharata, une grande épopée indienne. À ce moment du livre, Dumézil a déjà établi que plusieurs personnages sont une transposition d'un dieu, qui est d'ailleurs généralement son père ou son protecteur. Le Mahabharata associe l'humain Bhishma au dieu Diyu, le ciel. On a déjà lu pas mal de choses sur Bhishma dans les 200 précédentes pages, donc Dumézil parle immédiatement de Diyu. Malheureusement, on ne trouve que peu de mentions de Diyu dans les hymnes tels que le Rig Veda. On sait qu'il forme un couple avec la Terre, qu'il est le père de l'Aurore, d'Agni, le feu, de Parjanya, la pluie, de Surya, le soleil, des Adityas, les principaux dieux du Védisme, des Marut, une horde de dieux mineurs guerriers, des Angiras, une bande de sages, et qu'il est l'ancêtre des Ashvin, les dieux jumeaux. Diyu est aussi qualifié de « à la bonne semence ». On note enfin qu'il est cité une vingtaine de fois au féminin, ce qui n'aide pas vraiment à le cerner. En fait, plus les textes sont récents, moins Diyu y apparaît. Bref, c'est un dieu qui a été oublié. Dumézil rappelle alors gentiment les principales caractéristiques de Bhishma. Il n'est jamais père, même s'il s'est donné pour mission d'assurer que chaque génération de sa famille aura une descendance. Il n'est pas marié, ni même proche d'un personnage ayant un lien avec la Terre. Bhishma est né avant tous les autres personnages et meurt le dernier. Il a donc une position de cadre. Le ciel aussi encadre le monde, mais les hymnes ne mettent pas en avant cet aspect de Diyu. Tout semble perdu. Mais non, rassurez-vous car Dumézil connaît bien les mythes de plein de peuples et il a trouvé un dieu scandinave intéressant, Heimdallr. C'est le plus ancien des dieux et l'ancêtre de l'humanité. Il est le dernier dieu à mourir lors du Ragnarök. Tout comme Bhishma, il n'est pas roi, bien qu'il ait l'aîné. Heimdallr n'est pas le ciel, mais il vit au bout d'un arc-en-ciel, donc dans le ciel.
Voilà suffisamment de points communs entre Heimdaller et Bhishma pour creuser un petit peu plus. Heimdaller a parcouru la Terre sous le pseudonyme Rigger. Dumézil pense qu'il s'agit d'un emprunt au grec Reg ou au celte Rig qui signifie roi. Rigger passe trois nuits chez Bisaïeul et Bisaïeul et conçoit avec cette dernière un fils qui passera pour celui du mari. Ce fils est nommé Srel, ce qui signifie esclave, et sa descendance portera des noms péjoratifs. Rigger visite ensuite Aïeul et Aïeul, avec qui il conçoit Karl, qui signifie paysan libre, et qui, de manière similaire, passera pour le fils d'Aïeul. Les enfants de Karl auront des noms liés à la vie paysanne. Finalement, Rigger se rend chez Père et Mère, où il conçoit Jarl, ce qui signifie noble, et qui passera encore une fois pour le fils de Père, mais que Rigger adoptera ensuite. Les enfants de Jarl seront des guerriers, sauf le dernier, le jeune Connor, qui deviendra le premier roi et dont le pouvoir sera issu de la magie des runes. Au passage, jeune Connor se dit Connorunger, ce qui donnera le mot Konunger. On voit immédiatement le lien avec König en allemand et King en anglais. Du coup, je me demande s'il serait raisonnable de penser que Rigger n'est pas un emprunt mais une survivance de l'ancienne racine indo-européenne du mot roi. De tout cela, Dumézil déduit que Rigger crée trois générations successives sans jamais être reconnu père. La seule fois où il a réellement un fils, c'est par adoption. Ses procréations parcourent la hiérarchie sociale de l'esclave jusqu'au roi. Heimdaller, malgré son pseudonyme signifiant roi, n'est jamais roi, mais crée le premier roi. À ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que Dumézil compare ses points avec Bhishma. Mais non, il continue à parler d'Heimdaller et de choses qui n'ont rien à voir avec le dieu ciel qui est Diu. Heimdaller n'a pas d'armes. En fait, il se sert de sa tête à la manière d'un bélier. D'ailleurs, un des noms poétiques du bélier est Heimdali. De plus, parmi les périphrases utilisées par les poètes, l'épée est désignée comme la tête d'Heimdaller, et le mot tête est remplacé par l'expression épée d'Heimdaller. Voilà qui nous fait une belle jambe, mais quel rapport avec Bhishma et Diu ? Dumézil s'en fout et il continue à raconter des histoires. Heimdaller est né de une et huit mères. Dans un autre texte, il se dit enfant de neuf mères, fils de neuf sœurs. On apprend ailleurs qu'il est né aux confins de la terre, au bord de la mer. Encore une fois, cela ne semble pas vraiment lié au ciel, mais Dumézil n'abandonne pas et continue à chercher. Dans des poèmes, on trouve tantôt que les neuf mères d'Heimdaller sont les vagues, ou alors neuf filles d'Egir, un dieu marin. On s'éloigne de plus en plus du ciel, et là, sans crier gare, comme sur un coup de tête, Dumézil prend l'avion et nous amène au pays de Galles. Dans le folklore gallois, on trouve à propos d'un génie aquatique que les vagues moutonnantes sont ses brebis et la neuvième vague est son bélier. Une partie du mythe d'Heimdaller a donc un écho chez les Celtes. Ça nous fait une belle jambe, mais ne parlait-on pas du ciel et de l'Inde à l'origine ? Dumézil nous explique alors en long, en large et en travers qu'une vague moutonnante, c'est notre façon de dire qu'il y a de l'écume, mais que chez d'autres peuples, on compare ça à des chevaux, des taureaux ou des chiens. Il explique ensuite que dans les folklores des peuples vivant en bord de mer, on trouve souvent que la troisième, la neuvième ou la dixième vague est la plus grande, la plus forte, etc. Après cela, Dumézil insiste longuement sur le fait que la neuvième vague n'existe qu'à la suite des huit premières et n'a pas d'existence indépendante. Sans les autres, elle serait la première vague et n'aurait rien de spécial. Nous avons donc réussi à percer le mystère de la naissance d'Heimdaller. Ses une et huit mères sont les vagues. L'écume sur ces vagues leur donne l'allure de moutons, d'où la façon de se battre d'Heimdaller qui fait penser au bélier. Et puis quoi ? Nous sommes partis d'un dieu ciel indien et nous sommes arrivés à des moutons aquatiques celtes. Pour notre plus grand plaisir, Dumézil revient à Bhishma. Aïe, ouf, on a enfin le droit de comparer. Alors, on a Bhishma qui est né le premier et mort le dernier, comme Heimdaller. Bien qu'ils sont nés en premier, ils ne sont pas rois, mais ils s'assurent de l'existence d'un roi. Bhishma et Heimdaller ne sont pas mariés. Tous les deux traversent trois générations, se débrouillant pour que chaque génération ait une descendance sans pour autant être père eux-mêmes. Heimdaller est né de huit et une vague. De son côté, Bhishma est né à l'intérieur d'une divinité aquatique. Il est le neuvième de sa fratrie et a été créé à partir de morceaux de ses huit frères aînés, morts noyés juste après leur naissance. On retrouve exactement le schéma du neuvième qui n'existe que grâce aux huit premiers. On comprend alors pourquoi Dumézil avait insisté sur ce détail qui, à ce moment-là, semblait totalement anodin. En conclusion, Dumézil a retrouvé de manière indirecte tout un pan de la mythologie de Diu. Alors que les textes indiens qui nous sont parvenus ne mentionnent plus grand-chose de concret sur ce dieu, le Mahabharata contient un personnage qui, lui, porte des éléments dont l'ancienneté ne fait aucun doute puisque pour comparer Heimdaller et Bhishma, donc Diu, il a fallu faire un détour par le folklore celte. Le résultat est important puisqu'il ressuscite quasiment un dieu oublié. Il démontre aussi que les auteurs du Mahabharata connaissaient encore très bien Diu, ce qui démontre son ancienneté et renforce la crédibilité de l'analyse de tous les autres personnages. Ce résultat impressionnant, atteint en seulement 8 pages, n'est pourtant accessible qu'au prix d'une bonne migraine. Non seulement la lecture des 200 pages précédentes est nécessaire,
parce que je suis sûr que vous avez trouvé que j'ai parachuté un certain nombre d'informations et vous avez bien raison, mais en plus il faut garder en mémoire jusqu'au bout des détails qui semblent insignifiants au premier abord. Le saut du mythe au poème, puis du poème au folklore, le passage d'une culture à une autre, l'étude minutieuse d'éléments qui n'ont rien à voir avec le point de départ rend la lecture de Dumézil très difficile. Afin d'éviter cela, d'autres auteurs prennent le parti de mener chaque élément de comparaison à son terme avant de passer au suivant, ce qui a pour effet de rendre leur texte interminablement long et répétitif. Bref, la mythologie comparée, c'est lourd. Dans le prochain épisode, nous parlerons des origines de l'hindouisme.